Elle est une passionnée de l'univers marin, une passionnée de la plongée en apnée. Elle porte à merveille son nom et les dauphins et les baleines sont ses meilleurs amis. Elle, c'est Marine. Alors Marine, comment est née cette passion ? Alors cette passion est née il y a à peu près 2 ans de cela, quand j'ai déménagé dans l'Ouest en fait. Donc j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré un ami à moi qui s'appelle Cédric. Alors donc lorsque Cédric et moi nous sommes rencontrés, donc on a vraiment développé une passion, donc que ce soit pour la nature en général, donc que ce soit pour les montagnes, les cascades ou en priorité bien sûr la mer. Et là, voilà, avec Vitamine C, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir en fait de partager cette passion aux gens et finalement ils viennent à nous naturellement parce qu'on est vraiment passionnés en fait. Et quels sont les dangers qui sont liés avec ce genre d'activité ? Donc au niveau des clients, c'est vrai qu'on voilà, on propose des gilets de sauvetage, on s'assure qu'ils savent nager, on s'assure qu'ils savent respirer dans un tuba. Voilà, on s'assure que là, les conditions météo et la mer sont bonnes aussi. On attache une très grande importance en fait à respecter vraiment donc, les animaux marins, peu importe ce que c'est. Donc on attache vraiment une grande importance à les respecter, à respecter une distance, à respecter une vitesse de croisière pendant qu'on est dans les dauphins. Et à savoir aussi s'arrêter si on trouve que les dauphins sont fatigués, on s'arrête et on respecte le rythme de vie en fait. On vous a accompagné aujourd'hui et il y a quand même une synergie entre vous et les dauphins surtout. Comment ça se passe ? Écoutez, c'est plutôt naturel, comme je vous ai dit plus tôt. C'est vrai que les dauphins sentent vraiment l'énergie des gens. Donc si vous allez avec une bonne énergie, sans agressivité, que vous vraiment, quelque part, vous les laissez venir à vous, ils vont venir à vous naturellement en fait. C'est juste l'approche en fait, donc la manière dont on va approcher les dauphins est extrêmement importante pour créer en fait une connexion et une synergie. Et c'est vrai que ben, tout le monde plus ou moins peut le faire. Après, c'est vrai que ben, voilà. Je descends plus en profondeur, donc c'est plus facile pour moi d'aller les chercher, mais au final, tout le monde peut le faire si chacun y va avec une bonne énergie. En fait. Alors Cédric, cela fait combien de temps que vous êtes skipper ? Alors ça fait 12 ans que je suis skipper. Alors j'ai commencé à bosser avec des bateaux particuliers après mes heures de call. Il y a 2 ans de cela, j'ai rencontré Marine. C'est là qu'on a commencé à créer Vitamine C. Et là, ça fait 2 ans qu'on fait Vitamine C ensemble. Les animaux marins représentent quoi pour vous ? Pour nous, sur l'île, mais spécialement pour moi, et aussi je pense pour beaucoup de pêcheurs, c'est vraiment une bénédiction de Dieu que ça nous permet de vivre avec ça, avec les fonds marins, les poissons et les dauphins. C'est ça qui emmène beaucoup de touristes sur notre île. Et de nager avec les dauphins, de voir les fonds marins, et je pense que... Et on les respecte vraiment beaucoup sur l'île.